Et je suis parti à Bassam, et puis j'ai vu le conseiller, ça a été la culture du président. Monsieur Philippe Pitoua. Ouais, on causait. Et puis j'ai dit, mais moi on ne m'a jamais décoré. Dédé ne m'a jamais décoré. Bah, moi aussi, m'a pas décoré. Mais moi, toi aussi, est venu, on ne me décore pas. Et dit, je vais voir. Quand on partait se faire décorer, moi, j'étais vraiment sûr, je partais à mes amis, j'ai dit, on va me donner une médaille, puis on va me donner de l'argent. Ouais. Donc, arrivé madame Ariette Dagri, elle dit, mais oui, on n'a pas qu'on décoré depuis. J'ai dit, non. Elle dit, c'est pour ça que j'ai dit, au lieu de décorer chevalier, il faut que tu sois officier. Parce que tu as trop pris de temps. Donc, elle m'a décoré officier de l'ordre du mérite national. Avant qu'une enveloppe de combien? C'est ça. Maintenant, quand on a fini, j'ai foiré, les gens s'en vont. J'ai dit, d'où j'ai approché l'un de ces gars? C'est un docteur. J'ai dit, comment ça fonctionne? J'ai dit, comme quoi? J'ai dit, on n'a pas encore donné mon enveloppe. Il dit, il n'y a pas enveloppe, il y a une médaille. Maintenant, je vais dire la vieille. Il est rentré, il a dit, ah, lui, il n'y a pas quelque chose. Elle dit, c'est pas comme ça. Elle a pris une enveloppe. Elle dit, tiens, l'argent pour aller manger au dehors là-bas. Mais il n'y a pas l'argent dedans. Il est fait. Oui. Il est marié. Oh oui, je me suis marié il n'y a pas encore longtemps. Ah, il n'y a pas longtemps. Il faut dire que c'était pas tout dans mon programme. Des amis, des jeunes, des enfants comme les limites quand je suis marié. Alors ouais. Que c'était des enfants que moi j'ai élevés chez moi à la maison. Et donc quand j'ai vu ces jeunes gens qui se mariaient, je ne le faisais pas. C'était quand même gênant. Déjà m'en parlait. Et puis un jour, paix à son âme, Adem Bakayoko, il me dit, mais tu n'es pas encore marié, les gens sont mariés. Je dis, ah, tu sais que c'est très compliqué, il faut faire des dépenses. Il dit, va à la mairie d'en haut, tu as pris des papiers, où tu veux faire le mariage. Si tu veux, tu viens au plateau, et puis tu vas à l'état-major, faire 250 places, et puis tu vas faire ça. J'ai dit, ah, mais cette affaire, il y a un jeton dedans. Hein. Voilà comment, en fait, le jeton m'a encouragé à aller faire ça. J'appelle un âge, je me marie. Il dit, ah, mais viens, tiens pour moi. J'ai dit, ah, les gars. Donc, je me marie. Il y a une bénédiction derrière le mariage. Donc, je vais. C'est un mariage, moi, j'ai vu ça en business.